vos fesses. La famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tacos. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, je veux bien. Et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo déco de mon salon. Déco de Noël pour mon salon. Et mais avant, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit, c'est gratos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste en bas pour ne rien rater si je poste une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mon Instagram, c'est la Diva Rebessim. Et sur Snap aussi, c'est la Diva Rebessim. Et sur TikTok, c'est la Diva Rebessim. Et sans plus tarder, yes, on passe à la vidéo. Donc je crois que, excusez pour ma voix, hein, et je crois que je ne peux pas utiliser tout ce que je vous avais montré. Je ne peux pas utiliser tout, charger la maison parce que j'ai acheté et tout. Non, je vais utiliser ce que j'ai besoin pour la déco et franchement la déco de mon salon. Voilà, et donc sans plus tarder, je vous avais déjà montré la vidéo là où j'ai nettoyé mon salon et tout, lavé le mur, tout ça là. Et pour aujourd'hui, je vais pas faire beaucoup de choses, je vais juste passer l'aspirateur et puis dépoussiérer et ensuite on va commencer à décorer. Donc voilà, let's go, let's go. Et voilà, là je finis d'aspirer la maison. Et après avoir aspiré la maison, maintenant je vais changer les rideaux comme vous pouvez voir. Et je change les rideaux. Et après avoir changé les rideaux, et maintenant je vais dépoussiérer. Donc, c'est le produit que je vous montre. J'ai acheté ça à Marshall. C'est juste pour les armoires. Et donc voilà, là je finis de dépoussiérer comment on appelle ça, la table de la télé, et maintenant je vais nettoyer le vitre là juste à côté. Et donc voilà, je commence à nettoyer le guirlande là, et je vous avais montré déjà là où j'ai acheté dans le hall de cette année. Et là je mets le faux snow, juste pour amener l'ambiance de Noël à la maison, hein, pour amener, hein, le, comment on appelle ça, les snow. Et à la maison, là, je peux placer le bourgeois. Après avoir placé le bourgeois, je mets le bougie qu'on pouvait voir. Donc, voilà, là, et en haut, je finis. Et au milieu aussi, je vais utiliser ces faux snow. Donc, juste pour amener l'ambiance de Noël, le visage de... le visage de Noël à la maison. Et donc, voilà. Donc là, je vous laisse avec les images. Et donc voilà, là je finis avec la table de la télé. Et maintenant je vais décorer mes deux chaises là, juste à côté. Et pour mes deux chaises, j'ai acheté ça chez Warfare. Et donc je parlais déjà de tout. Donc je fais ces petits décos à côté là, à côté de mon sapin. Là je finis, maintenant je vais faire la table base. Je commence d'abord par dépoussiérer et puis après avoir dépoussiéré, je laisse sécher puis on va commencer la déco. Et c'est joli, voilà ce que vous voyez. J'ai acheté ça chez Overstock. Et donc voilà. Et pour mes fleurs, et je vais utiliser la gel Go To Be pour que permettre que papayette nanga et kouya kouya trotter. Et si vous remarquez, Nataka ba papine bo moni wana na vase et pour qui permettre fleur et dina na katite parce que si dina na katite za kitoko te pe kota kebele. Et c'est pour cela que j'utilise le papier qu'on pouvait voir et bo moni vandi, voilà.
technique arabienne. Et puis, donc, comment à côté là, je vais utiliser ces fleurs blancs. Regarde-moi l'élégance de ça. Et donc, voilà. Donc là, je vous laisse avec les images. Et là, je finis avec, avec la table basse. Maintenant, je nettoie mes fauteuils. Je vais faire mes fauteuils. Le produit que j'utilise pour mes fauteuils, je déjà parle de ça. Donc, je vous laisse avec les images. Là, je mets ces blanquettes juste à côté. Et puis, je vais commencer à placer le pilon. Donc, voilà. Je vous laisse avec les images. Et donc là, je finis avec mes fauteuils. Je vais mettre le Père Noël juste à côté, Monsieur Santa. Donc, je finis vraiment avec mes fauteuils. Et maintenant, je vais commencer par dépoussiérer, comment on appelle ça, console table. Et ensuite, on va décorer. Et donc voilà, ce petit Christmas tree que vous voyez, j'ai acheté ça à Walmart à 12 $ et comme vous pouvez voir, il est vraiment juste joli, ça brille aussi. Et si vous remarquez dans le comment on appelle ça, dans le vase, je mets toujours les papiers parce que les papiers permettent à la fleur Nayo et Vanda très 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 bien. Et donc voilà. Et là, je finis. Maintenant, je veux utiliser ces faux snow pour mettre juste à côté. Et là où je veux poser, comment on appelle ça, mes dés durs. Donc, voilà. Et pour finir avec, comment on appelle ça, pour finir avec console table, en bas j'utilise des cônes et puis le bourgeois, long bourgeois, là je vais mettre aussi la bougie. Et comme vous pouvez voir, elle est juste, waouh, le rendu, le résultat, en tout cas c'est top. Si vous remarquez sur le, comment on appelle ça, je vais utiliser aussi, je mets aussi le papier sur ce gros vase. Et puis le papier que j'ai mis à Kimouki. Donc, il faut que je ne pas pour ça. Il va vraiment bien te mettre quand même. Ça va. Donc, voilà pour le fleur aussi. Et ces fleurs aussi, j'ai utilisé la gel. On pouvait voir. Donc, voilà. Je finis la déco. Moi, je passe l'aspirateur deux fois avant la déco et puis après la déco. Et donc, voilà, comme vous pouvez voir, je passe l'aspirateur pour ramasser le bitché.
Et donc voilà qu'on pouvait voir, regarde rien, moi sur le comptoir, je n'ai pas fait. Et sur la cuisine, mon salon aussi, pardon, la salle à manger, je n'ai pas fait parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment fatiguée. Et si Dieu nous fait grâce, je vais faire ça demain. Et voilà. Et là, je finis la déco, hein. Je finis vraiment la déco. Regarde sur la table de la télé, je décorais avec la guirlande et puis... comment on appelle ça, le faux snow, et puis avec le bourgeois et les bougies, le rendu en tout cas, c'est top, c'est juste pour amener l'ambiance de Noël, pour amener les visages de Noël. Il y a le visage de Noël à la maison, parce que maintenant, la souké n'a pas d'accord, au bas, nous, on a mis l'ongi à Noël, n'a pas d'accord, pas tout. Et donc, voilà. Et je voulais dire quelque chose, motiver mes sœurs youtubeuses. Et quand tu fais quelque chose, toi-même, tu sais que ça, là, je fais ça très bien. Je donnais le meilleur de moi-même. Faut être fan. Il y a Moussala Nayo. Et il y a Eloko Sali. Parce que, deux fois, tout ça, à capé, bilo, tout là, m'appelle, andao, yo, mon lobe, Eloko, on m'abé. Atabat, balobi, m'abé. Et qu'au dérange, au plisté. Mais sur YouTube, amour vrai, zate, auto, lobaka. Il y a trop d'hypocrisie. Mouninga, on s'a les locaux, on a yé. Oyo, tiki, les commentaires, il y a un site. N'dek, nous, on a ça, tindi, la vidéo. Mouta, fingé, na, commentaire. Mouta, fingé, na, commentaire. Ma, ebisi, na, lamba, ke, loko, on, mena, souka, na, moi, fingi. Moi, je pense, ces genres de commentaires, ils a, ka, bande, on a ça, bah, YouTube. Bah, YouTubeuse, pardon. Et tant que ça, les locaux, on a, ebisi, n'a, mon, apesi, meilleur, n'angaï. Et commissionnaire solide, attends, moutoya, lobby, parce que, Banchor bazang a raté. Bazang a raté. Alors, tu sais, là, on dit cela, commentaire à ma bé pour décourager. En tout cas, quand tu fais quelque chose, et puis que loco n'a pas si meilleur, nanga, y'a ta bato bon ou baye, et dérangé, t'es salopacité. Et premièrement, y'a motan, on a fané loco na yo, et l'un colo bako, comme si n'est en eau solide, n'a ben insulte, n'a pas dislike, n'a moté ma bé. Et mouta y'a au dislike vidéo na yo, aïe, qu'au fin, on a commentaire, quand le même est loco wana. Ake na chaîne na ye a sali ango. Donc, eza nini, eza makala moto. Parce que notre Dieu est juste. Même pas lelo, lobi vajan samzam bezalaka. Donc, boza la courage motivé, bo calculé, ba incité, ba dislacté, eza anango ka, katon que tu vives en amokilo. Et donc, voilà. Et là, je finis avec la déco. Et pour les gens, oh, bah, aussi, qui n'a pas commenté, Rebecca! C'est lancé na déco, tu fais ça bien, tu as ça dans ton sang et tout et tout. Et tu as une grâce sur tes mains et tout et tout. En tout cas, Nazala qui busy. Et maintenant là, et je me lance vraiment. Et donc, on va commencer à faire motivation, décoration, nettoyage, tout et tout, tout, tout sur ma chaîne. Et à condition qu'il faut regarder les vidéos, hein, vous ne regardez pas les vidéos, bah, tout le monde s'abonne tous les jours. Mais bon, t'as la vidéo, je sais pas pourquoi, et bon, activer la cloche à notification, ou quoi, je sais pas. Mais activer la cloche de notification, on va vraiment décoller, serrer aussi vos ceintures, on va décoller avec la déco cette année-là, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et voilà. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de vous lire. Et pourquoi pas de partager la vidéo. Partager la vidéo pour soutenir votre sœur. Et partager la vidéo pour annoncer la bonne nouvelle. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous garde encore longtemps. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes abonné sur ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dès que je poste une nouvelle vidéo. Et là, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye.